vous souvenez, nous avions émis un vœu. J'avais pris quelques précautions avant d'émettre ce vœu, proposer ce vœu. Mais évidemment, ce qui fait loi, c'est la réponse de Madame la Préfète et uniquement la réponse de Madame la Préfète. Alors je vais vous le dire, tout simplement. J'ai pris connaissance avec attention du vœu voté par le Conseil municipal de Saumur dans sa séance du 21 mai dernier, par lequel celui-ci exprime le souhait d'autoriser à nouveau un stationnement automobile au droit de la cale du quai Maillot. Vous motivez cette demande par les enjeux du stationnement pour l'économie locale, du fait de la proximité de ce quai avec le château, des équipements, services publics et commerces. Le récent événement tragique montre à l'évidence que pour des questions de sécurité, le stationnement en bord de Loire doit être strictement limité. En effet, comme monsieur le sous-préfet a eu l'occasion de vous l'indiquer dans la réunion qui a été organisée sur le problème du stationnement sur les quais de Loire le 11 mai dernier, je ne peux que vous inviter à engager dès à présent une réflexion et une étude globale en vue de supprimer à moyen terme le stationnement sur la totalité des quais de la ville de Saumur. Le sous-préfet de Saumur et la direction départementale des territoires se tiennent à votre disposition pour évoquer avec vous son lancement. Dans l'attente des décisions à prendre à la suite d'une telle étude, il m'apparaît en tout état de cause souhaitable de maintenir les dispositions arrêtées à l'issue de la réunion du 11 mai, à savoir le strict retour au plan de stationnement ayant fait l'objet d'une convention avec les services de l'État en 1959. Je confirme qu'un projet de convention de superposition vous sera proposé dans les toutes prochaines semaines. Je vous prie de bien vouloir agréer, etc. etc. Alors évidemment, j'ai pris mon téléphone. Et j'ai appelé le sous-préfet pour lui dire que ça ne correspondait pas tout à fait à la lecture que j'avais faite de ce qu'il m'avait annoncé. Et je lui ai demandé si ça valait le coup de déposer un dossier pour faire un muret d'un bout à l'autre, si demain il n'y avait plus rien.